C'est l'un des plus beaux bâtiments modernes de Paris, imaginé par Frank Gehry, l'architecte du Guggenheim de Bilbao. La fondation Louis Vuitton offre le meilleur de l'art contemporain et cet été c'est l'Afrique et des artistes venus de 25 pays qui sont à l'honneur. Ces 5 ou 7 dernières années, l'Afrique enfin trouve une véritable visibilité, une véritable reconnaissance et certains artistes ont trouvé un intérêt international. La génération émergente est par exemple représentée par le photographe Omar Victor Diop. En montant des événements de cette facture, qu'on arrivera à positionner la création contemporaine africaine comme une tendance lourde plutôt qu'un effet de mode. Une partie de l'exposition est entièrement dédiée à l'Afrique du Sud où l'art et l'engagement politique ne sont jamais très éloignés, notamment pour les femmes. J'amène le corps féminin dans l'espace, car quand je vais dans un espace, il n'y a aucun moyen de ne pas me regarder. J'existe, donc tu dois faire face à mon existence. Art Afrique, The New Workshop, le nouvel atelier, est visible à Paris jusqu'au 28 août.